Ce samedi 15 avril 2023, le parti politique ANC, en collaboration avec le maire du Golfe 6, a organisé une action de salubrité dans le quartier d'Adamavo. En effet, ce quartier abrite d'innombrables rigoles et caniveaux qui non seulement empêchent la circulation des eaux de ruissellement, mais aussi salissent l'air et causent des accidents de circulation. Sur ce, l'association d'Adamavo et quelques habitants se sont mobilisés pour effectuer le nettoyage de ces rigoles et caniveaux. Ceci en présence du maire. C'est une action programmée par la section locale ANC d'Adamavo qui m'a envoyé une note hier m'informant qu'aujourd'hui le bureau se décide de curer les caniveaux d'Adamavo. J'ai dit tiens, ça c'est une bonne activité. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à être présent parmi eux et nous avons fait ensemble ce travail. Malgré le programme très chargé de ce matin, j'ai dû venir pour les accompagner dans cette noble activité. La mairie, aujourd'hui, notre équipe joue le football. Vous savez que nous sommes en tournoi intercommunal et également aujourd'hui, c'est les obsèques du chef canton. Malgré cela, j'ai dit je vais perdre un peu de temps ici en les accompagnant. La raison pour laquelle je suis. Bon, moi, j'ai approuvé cette initiative pour trois raisons. La première raison, c'est de débarrasser, c'est d'assainir nos milieux. Et en curant ces caniveaux, vous allez voir que l'eau est en train de circuler. Même si ce n'est pas totalement fait, nous allons continuer dans les prochains jours à faire ce travail. Pour nous, c'est d'arriver à débarrasser toutes les ordures qui sont dans les caniveaux, qui font que ces caniveaux sont bouchés. Or, lorsque les caniveaux sont bouchés, risque d'avoir des anopheles, des moustiques qui transmettent le paludisme. En plus de ça, il faudrait qu'on mette à l'idée que ne faut pas attendre tout du gouvernement ou de la mairie. Nous-mêmes, c'est pour ça que les CDQ-CVD sont là. Des jeunes qui doivent s'organiser pour pouvoir assainir nos milieux. Et je pense qu'en le faisant, avec ce que l'ANC a commencé aujourd'hui, nous pensons que les autres vont leur emboîter le pas pour que nos milieux soient assainis. La population d'Adamavo dit, l'ANC a commencé quelque chose. Il faut que les prochaines fois, elles sortent massivement pour que ce travail-là, qui doit profiter à tout le monde, puisse être fait de manière consensuelle, avec la participation de tout le monde. Bon, si la population nous fait appel, probablement les gens diront que oui, c'est le travail de la mairie. Mais vous savez, nos communes aujourd'hui ont des moyens très limités. Donc, c'est difficile que nos communes arrive à boucler ses activités. Si vous donnez ce travail-là à un prestataire, ma foi, c'est au-delà de 50 millions. Or, si nous-mêmes, on le fait petit à petit, nous allons y arriver. Donc, c'est pour que je lance un appel à la population pour que les prochaines fois, on sorte massivement. Je serai là, je serai à leur côté pour qu'on puisse débrasser nos milieux de ces ordures qui nous transmettent des maladies et qui polluent la transmission. C'est donc avec enthousiasme que ces personnes mobilisées et motivées ont mis propre ces espaces précités, suivant leurs intérêts. C'est une initiative de la session d'Adamavo. Nous avons pris un peu de temps pour organiser cela. Parce que nous croyons quand dans nos entours, il y a des salubrités, surtout au caniveau et la saleté qui nous entoure ici. Donc la session d'Adamavo a pris sur eux pour pouvoir dégager un peu, que la population soit un peu libérée de cette situation. Donc c'est pourquoi nous avons adressé une lettre à la mairie pour pouvoir nous assister. Et effectivement, nous avons pris l'assistance de la mairie, surtout M. le maire qui est présent avec nous pour pouvoir faire cette carrière, pour pouvoir travailler dans ce cadre. Je pense que c'est une... Le caniveau soit propre pour notre santé.
Je suis venu à la maison.